It's a place where the small houses lean on each other. Donc aujourd'hui, on va nettoyer le boîtier papillon qui s'est encrassé sur ma voiture, donc qui fait que j'ai un code erreur 112-561, je crois. Donc j'avais déjà nettoyé le boîtier là, mais ça n'a rien servi, il n'y avait pas d'humidité, donc c'est probablement un mauvais flux des gaz. Donc là, le boîtier papillon se trouve là devant la vanne EGR. La vanne EGR derrière, là c'est le boîtier papillon, donc on va le démonter. Pour démonter, donc on retire le carter qui est ici, bon c'est simple, il y a les deux vis, on le soulève, on n'oublie pas de débrancher la batterie toujours. Ensuite donc on retire ça, le joint qui se trouve devant, après ça on retire, on met de côté, pas la peine de débrancher. Là on retire les quatre vis, on a 1, 2 et de l'autre côté 3, 4. Et ensuite on soulève ça. On retire la grappe qui se trouve là. Et pareil, on met ça sur le côté. Voilà, donc c'est ce qui nous donne un plus grand accès. Donc il va falloir démonter par ces vis là, là. Et il y en a une troisième là. Je ne sais pas s'il y en a une quatrième. Ça, je le verrai en démontant. Donc je vais me lancer. Je vais me lancer là-dedans. Allez, on se retrouve tout de suite après le démontage. Donc voilà, j'ai retiré la durite. C'est les deux colliers là à dévisser. Et on la retire. Ça nous permettra d'avoir l'accès donc à cet appareil là. Voilà, et on nettoiera ça. Ouais, donc là le mieux c'est de retirer la batterie. Ce sera plus facile pour démonter. Plus d'accès. Donc je vous conseille de retirer la batterie. J'ai nettoyé pas mal avec du décave four, nettoyant pour four, donc c'est pas trop mal. Bon, il y a encore des saloperies, mais je dirais qu'on n'est pas trop mal. Donc comment ça marche? Normalement il doit rester, si j'ai bien compris, un petit clapet là, il doit rester ouvert. Quand il est au repos, il est ouvert et là il se ferme. Donc voilà, j'ai bien nettoyé, j'ai enlevé ce qui obstruait, il y avait pas mal de crasse, donc j'ai gratté pas mal. Je vais remettre un petit coup après, mais voilà, on est pas mal quand même. Voilà. Elle était toute noire, il reste quelques résidus, mais je pense pas que c'est ce qui gêne le plus hein. Donc voilà, j'ai nettoyé. Alors ça c'est un peu plus la galère à nettoyer. Comme c'est coudé et strié, pas, bon, là, on voit pas très bien, hein. Faut aller à la lumière. Bon, il y a quelques dépôts, mais bon, j'ai l'air circule, donc c'est pas le problème, je pense, immédiat. Donc d'après ce que j'ai pu voir à droite, à gauche, le problème, en fait, bon, j'ai nettoyé la vanne, fallait la nettoyer, viendrait de la partie électrique là. Donc certains disent qu'il y aurait du liquide à l'intérieur, de l'huile qui s'écoulerait. Donc je vois pas d'où viendrait cette huile, à part des dépôts que j'aurais pu moi mettre en nettoyant le volet, et il se serait écoulé de la partir du clapet vers l'intérieur.
mais sinon je vois pas. Donc on va voir. Donc pour démonter ça, dans un premier temps, j'en ai démonté un. J'ai perdu le. Voilà. C'est des petites agrafes comme ça. Il suffit d'enlever avec un tournevis plat. Mais attention, ça saute. Ça part loin. Super serré. Et quand normalement, je crois qu'il y a un ressort. Un gros ressort à l'intérieur. Donc bien maintenir et bien repérer où est le. Où est le ressort. Donc je vais vous mettre un exemple en essayant de filmer. Donc vous prenez le, il y en a un là, un là, un là, un là, voilà. Et celui-là je viens de l'enlever, il est là. Donc vous mettez le tournevis là et vous faites levier, vous, ça s'enlève tout seul mais ça part. L'autre, j'ai mis trois plombs à le retrouver. Donc, je vais faire ça caméra éteinte, ce sera plus simple pour moi. Donc, voilà, j'ai retiré les agrafes. Et effectivement, il y a un liquide qui s'écoule. Quasiment sûr que c'est le décapfour que j'ai mis. Une sorte d'huile. Je vois pas pourquoi il y aurait de l'huile dedans, vu qu'il n'y a pas d'arrivée d'huile. C'est incompréhensible. Bon, apparemment, il faut le nettoyer. Voilà. Et ça serait ça le responsable du faux contact. Ou alors serait-ce normal? Étrange. On va dire je ne l'explique pas. Si c'est peut-être pour le mécanisme. Je vais sentir. Ouais, je vois pas ce que ça peut être. L'huile. C'est peut-être à mon avis normal. Mais bon, un circuit électrique qui baigne dans le. Ouais. Bon, on se retrouve après, je vais nettoyer ça, je vais voir ça. À tout de suite. Bon, voilà, j'ai nettoyé, j'ai mis du nettoyant en contact. Donc là, je sais pas si c'est normal, on dirait que les composants ont. On coulait. Je pense que je vais être bon pour acheter un boîtier papillon, un corps papillon. Là, c'est pareil, j'ai nettoyé, mais je suis pas convaincu du résultat, sachant que ça c'était rempli d'huile, sachant que ça c'est un moteur électrique, donc s'il a grillé, bah forcément ça tournera pas et ça fermera pas. Ça fermera pas le volet. Donc, si le volet il ferme pas, ça risque pas de corriger mon problème. Donc c'était bien ça la panne, je pense. Voilà. Bon bah voilà, j'ai tout remonté. J'ai essayé le véhicule depuis, ça fait 2 jours, et donc c'est officiel, le code erreur 112-561 le code erreur a bien disparu. Donc, et j'ai plus aucun problème de mode dégradé, et le véhicule se mettait en mode dégradé, donc j'ai plus ce problème là, elle tourne nettement mieux, donc voilà, c'est officiel, c'était bien le boîtier papillon, et l'huile qui était rentrée à l'intérieur. Donc je vous ai pas fait le remontage, mais c'est vraiment pas compliqué. Vous remontez la pièce comme vous l'avez démontée, vous resserrez bien. Avant de remettre cette durite, je vous conseille de placer la batterie pour la fixer en dessous. C'est plus d'accès, c'est plus facile, mais bon, ça c'est pas bien important. Et vous remettez la durite, et voilà. Donc j'ai remis quand même le avec ma prise diagnostique ici. J'avais toujours le code erreur. J'avais toujours ce code erreur qui apparaissait. Donc je l'ai remis à zéro. Donc ça c'est une copie d'écran. Hein. Donc j'ai remis à zéro et depuis ça marche nickel. On va faire le test. Donc on va faire on va dire. Alors là comme tu dis, c'est top.
Et voilà, aucun code d'erreur. Et donc le véhicule fonctionne nickel. Donc c'était bien ça. Donc c'était l'huile qui se trouvait dans le compartiment électrique, le boîtier électrique qui est à côté de la pompe, le boîtier papillon. J'ai tout vidé, vous nettoyez avec du nettoyant contact et c'est reparti. Bon, sûrement que la panne va revenir. Parce que cette huile, je ne sais pas d'où elle vient, elle vient bien de quelque part. Donc ça doit être un joint que j'ai pas trouvé, mais un joint torique ou quelque chose comme ça, qui doit laisser passer l'huile. Donc bon, la voiture, elle a 180 000 km. Donc si ça tient pendant encore 180 000 km, ça devrait aller. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Bon courage dans vos travaux. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Bonne journée.